Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 16 mai 2024 le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, dans le cadre d'une rencontre visant à améliorer leurs relations. Les deux hommes ont discuté de manière approfondie pour aplanir leurs divergences. Suivez le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ses propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer le chef de l'État. Il m'a donné cette opportunité de le rencontrer aujourd'hui, pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ce sentiment de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Ben, je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. Début ce jeudi 16 mai 2024 de la campagne électorale pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Au total, 8 candidats, dont 6 de la majorité et 2 de l'opposition, se disputent le 7 postes à pourvoir au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Dès les premières heures de la journée de ce jeudi 16 mai, jour du début de cette campagne électorale, les militants et sympathisants des regroupements et partis politiques auxquels appartiennent les différents candidats ont pris d'assaut l'hémicycle pour soutenir leurs membres. Fanfares, cris de joie et danse sont mis à contribution pour donner de l'ambiance au palais du peuple. Caroline Bemba, que le MLC a eu à proposer ou est en train de proposer aux fonctions de la caissure au bureau de l'Assemblée nationale, caisseur adjointe, répond aux critères, répond au profil idoine pour la caissure au niveau de ce bureau. Pourquoi ? Au parti, elle a été initiée dans sa vie au niveau du parti, 25 ans puisque c'est une militante de première heure,
à la gestion des finances, parce que c'est la trésorière générale. Nous sommes convaincus, partant du parcours du conseil, que beaucoup de choses vont changer à cette Assemblée nationale-là. Tenez pour dit que, ici, il s'agit de la diplomatie parlementaire. Le conseil Jean-Claude Noumaïk est à la fois juriste, mais aussi internationaliste. Ça veut dire que la diplomatie parlementaire est déjà assurée. D'autant plus que notre candidat a des atouts. Il a des atouts nécessaires. Il est lié pour faire face à cette question de la diplomatie parlementaire. Notez que cette campagne électorale pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale se clôture ce vendredi 17 mai 2024. L'élection et l'installation du nouveau bureau est prévue pour le samedi 18 mai 2024. Restons toujours dans l'hémicycle du Palais du Peuple où se déroule la campagne électorale pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les candidats en lice pour cette course électorale figurent l'honorable Caroline Bemba Bamanissa. Qui est-elle au juste? Suivez ce portrait. Le samedi 18 mai 2024, c'est la date prévue pour l'élection et l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Au nombre de candidats en lice de cette course électorale figure l'honorable Caroline Bemba Bamanissa. Qui est-elle au juste? Députée nationale élue de la circonscription électorale de Guémena, dans la province du Sud-Ubangi, Caroline Bemba Bamanissa est la première fille de feu Jeannot Bemba Saolona, homme d'affaires et patron du patronat congolais, et de la regrettée Marie-Thérèse Otimi, tous deux originaires de la province du Sud-Ubangi. Née et grandie dans l'environnement des affaires et politiques, Caroline Bemba Bamanissa est une femme de conviction qui a su forger son parcours dans le travail acharné et bien fait pour le développement socio-économique et politique de son pays. Militante de première heure, membre du collège des fondateurs et trésorière générale du mouvement Libération du Congo, MLC en sigle, c'est depuis 2011 que Caroline Bemba Bamanissa s'est lancée dans la politique active en postulant aux législatives nationales. Avec un discours convaincant, celle qu'on appelle affectueusement Mama Caro par ses intimes, a été élue meilleure députée nationale dans la circonscription électorale de Guémena. Elle l'a été également dans la même circonscription électorale en 2018 avant de rééditer l'espoir en 2023. Je suis élue de la circonscription de Guémena. Nous continuons à servir notre nation dans la paix, l'amour, la tolérance, la considération et l'unité. Que Dieu bénisse la RDC. Une dame au sourire légendaire et d'une humilité avérée, Caroline Bemba Bamanissa est très bien appréciée auprès de sa base suite à ses nombreuses œuvres sociales. À Kinshasa ou à Guémena par exemple, avec des fonds propres, elle a su réaliser plusieurs actions de développement communautaire, notamment la construction d'un centre moderne pour l'alphabétisation et la scolarisation gratuite de milliers de femmes éphémères, sans oublier une panoplie de ses contributions en faveur des étudiants des différentes provinces du Congo. Ses apports traversent les clivages politiques, régional ou tribal. Maman Caroline a sungi biso surtout ba jeune. Elle a eu beaucoup comme la capacité biso ba musuto eba ki meta ko simba ordinateur te. Mais à partir à maman Caroline, tu es bi commander ordinateur, tu es bi pour ça la basaisi. Femme de prière, Caroline Bemba Bamanissa est dévouée à l'œuvre du Seigneur. Partout où elle passe, elle pose des actes de charité et de multiples actions à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Promesse que nous trouvons dans la Bible que Dieu nous a donné. Il nous a fait des promesses, on s'en tient et on sait qu'on les réalisera. J'ai fait la promesse aussi à Dieu en disant, Père, si tu me donnes cet enfant, je te louerai, je te chanterai, je t'acclamerai et je veux qu'ici dans la parcelle du GB, que ton nom résonne dans les chants, dans les adorations. Amen. Gestionnaire de plusieurs entreprises privées et familiales, Caroline Bemba Bamanissa draine une bonne image dans le monde des affaires, selon plusieurs témoignages.
ancienne vice-présidente du comité des sages de l'Assemblée nationale durant les législatives 2011-2018 et 2018-2023, Caroline Bimba Bamanissa a été très active dans la résolution pacifique de plusieurs problèmes sociopolitiques de députés nationaux. Très réservée et discrète, elle affiche un profil apparemment effacé, mais sans perdre de vue son objectif. Caroline Bimba Bamanissa est diplômée de sciences commerciales de l'Institut catholique des hautes études commerciales de Bruxelles, en Belgique. Officiellement mariée à l'ex-gouverneur des Litouries, l'honorable Jean Bamanissa Saïdi, elle est mère de 3 enfants. Candidate au poste de questeur adjoint, Maman Caro espère bien obtenir la confiance de ses collègues députés pour relever certains défis de commun accord avec les autres membres du bureau pour apporter un changement positif tant au sein de l'Assemblée nationale que pour le bien-être de la population congolaise. Et puis la République démocratique du Congo célèbre ce 17 mai la journée des phares d'essai et de la révolution, une journée consacrée particulièrement à l'armée loyaliste à qui l'on rend hommage pour la libération de la RDC du régime dictatorial. Le gouvernement de la RDC considère le bombardement du camp de Mugunga à Goma. Au cours d'un briefing presse tenu sur place après l'inhumation de victimes, le ministre des Droits humains, Fabrice Puella, a déclaré considérer ces bombardements comme un crime de guerre. Suivez. Lorsque vous avez des gens qui font la guerre, sous les couverts, les mouvements rebelles appelés M23, alors que nous savons clairement qui se trouve derrière ce M23, le Rwanda qu'on n'est pas le signé, qui largue une bombe, qui ne va pas tomber dans le lac, parce que le lac ne fait pas, il pourrait dire, non, c'est par inadvertance, c'est par fait collatéral, nous ne visions pas les civils, cette bombe n'est pas tombée sur le lac. Mais cette bombe va tomber dans un camp de déplacés. Ce qui veut clairement dire que c'était délibéré. On ne pourra pas demain nous dire que non, 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 c'est pas une inadvertance, nous sommes désolés. C'était ciblé. Et lorsque vous avez une bombe qui a cette amplitude, qu'est-ce que je dis, cette puissance, au point même de fracasser, nous sommes arrivés là-bas, on a vu comment. Les pierres qu'il y a à Goma ont une certaine consistance, mais les pierres ont été fracassées à fortiori lorsque ça atteint le corps humain. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des corps qu'on n'a pas pu rassembler, même avec des prières, parce que six corps qu'on n'a pas pu retrouver. Donc c'est avec une violence inouïe pour dire que le Rwanda, à travers le M23, à y commettre un crime de guerre. Parlons à présent de cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC qui suspend pour 30 jours l'émission Bosolona Politique officielle sur toutes les chaînes de télévision opérant dans le pays. Une décision qui fait suite à la diffusion de l'émission du 14 mai 2024 où les présentateurs Israël Mutombo avaient lancé des attaques personnelles contre M. Christophe Mbosokodia, candidat au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, allant jusqu'à prédire sa mort politique. Suivez les rapporteurs adjoints du CESAC, Serge Ndjimbo. Attendu que, dans ses allégations, M. Israël Mutombo, sous prétexte de l'âge du candidat Mbosso, a prédit la mort de ce dernier qui, selon lui, mourrait sur la scène politique comme fut le cas de l'artiste musicien Papa Wemba, attendu que ses propos empreints de mépris et de dénigrement tenus dans l'intention de nuire aux droits civils et politiques de M. Mbosso portent également atteinte à l'honneur et à la dignité humaine et constituent une contre-campagne menée dans le seul but
de disqualifier le candidat en violation des dispositions pertinentes de la directive du CESAC relative à la campagne électorale, attendu que la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux a été diffusée la veille du lancement officiel de la campagne électorale à l'Assemblée nationale en violation de l'article 113 de l'ordonnance loi sur la presse susévoquée, considérant les multiples plaintes enregistrées contre M. Israël Mutombo à ses juges, considérant la nécessité d'amener les médias et les professionnels des médias au respect de la loi et du code de déontologie de journalistes, après débat et délibération, prend l'acte dont la teneur suit. Article 1er est suspendu à titre conservatoire pour une durée de 30 jours à dater de la notification de la présente l'émission Bossolona politique officielle sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo. Article 2. En attendant la décision finale de l'Assemblée plénière, le directeur des programmes, accompagné du présentateur de l'émission incriminée, est attendu au Conseil pour présenter ses moyens de défense en rapport avec les manquements relevés ci-avant. Article 3. Le procureur général que le Conseil d'État est prié d'apporter son concours à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. Dans le cadre de la vulgarisation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant promotion et protection des droits de la personne avec handicap et ses mesures d'application, notamment les déchets récemment signés par le Premier ministre, la ministre déléguée aux affaires sociales chargée de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables s'est entretenue mercredi avec les personnes invalides du district de la Lukunga. Gisèle Etoko pour le reportage. En réalité, il y a 5 ans que le ministère délégué aux affaires sociales chargé des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables existe. Ainsi, dans le cadre de cette rencontre, Maître Irène Sambo, en tant que responsable numéro 1 de ce ministère, s'est appliqué à rendre ce qui a été réalisé jour pour jour au sien. Ainsi, lors de son allocution, Maître René Samboudiata a, à ce sujet, relevé qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les droits de la personne vivant avec handicap sont reconnus par la loi. Et pour qu'ils soient respectés, elle a souligné qu'il sied pour cette personne de connaître elle-même ses droits, qui lui permettront de savoir ce qui lui est dû et de se défendre s'ils ont tenté de lui enlever, a martelé Maître René Sambo auprès des personnes avec handicap ayant été présentes à cette cérémonie. S'agissant de droits, l'État congolais est appelé au strict respect ainsi qu'à les faire respecter. Pour y parvenir, Maître Irène Sambo a fait savoir qu'il a été pris des mesures d'application de la loi organique 22/003 du 3 mai 2022, appuyée par des décrets signés par Jean-Michel Samalokonde, alors que Premier ministre. À cela s'ajoute le décret numéro 24/27 du 25 mars 2024 portant organisation et fonctionnement d'un établissement public qui favorise la création d'un fonds dénommé Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap en RDC comme mesure d'appui supplémentaire aux différentes initiatives à travers l'entrepreneuriat. Les personnes ayant été frappées par un handicap à la suite des actes de bravoure sous le drapeau sont aussi prises en compte à travers un autre décret dit médaille de mérite pour les actes de vaillance, signé pour encourager ces personnes vivant avec handicap pour les effets de la guerre ou de l'exercice de leur travail au profit de l'État. Natangwa Kalava, papa na bisoya na bokonzi, bisonyo sotozaki na sima ya ministère ya affaires sociales. Et puis na kati kuna soki otali, okeyi kotuna wapi kasi ba service o ekoki ko s'occuper penza na ba personnes avec handicap. Au commun, on a un service sur la pénalité. Ba continue on a dit qu'on refait. Mais si on continue à dire qu'on refait, comment on a kaka ba poussière, on est allé na ba mesa na bango et puis si on déjà y a nos que awa
babongi sata eloko moko te yo moko personne avec handicap ozana likamu te oluka ko kende ko toke porte bakota mwisa yo partout ko yeba service ata te oyo ko kutana nango yango wana president na biso papa Félix alobaki pona ye secteur ya handicap esengeli te ezala non gouverné esengeli babongi sa gouvernance ya secteur ya handicap bamingi bayeba kite. C'est pourquoi bamingi bazaki kokanisa te mama Irene aye akoti na gouvernement akuti pe lokola balinga na ye mosusu ya gouvernement secteur mobimba eza na misala na yango asalela biso or ngai ndenge nakomaki nakutaki ba service te. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu avant tout, pour Maître Irène Issambo, de procéder à la mise en place d'une administration centrale à travers le secrétariat général qui est chargé de l'opérationnalisation de tous les aspects liés au secteur du handicap et de la vulnérabilité des concernés, ayant permis le recrutement de plus de 4000 personnes, dont la majorité sont des personnes avec handicap. Dans un autre chapitre, sachez que le président de l'ECID, Martin Failou Madidi, a lancé mercredi 15 mai 2024 la campagne pour la défense de la Constitution dénommée « Ne touche pas à ma Constitution ». Suivez-les dans cet extrait. Citoyens, pour la défense de la Constitution. Nous avons dit que personne ne touche à notre Constitution. La Constitution est sacrée. Peuple congolais, réveillez-vous. Nous devons tous chercher le bien-être de nos concitoyens. Nous devons chercher que ce pays soit intègre, c'est-à-dire que personne ne vienne violer l'intégrité territoriale de notre pays. Que personne ne vienne ici instaurer la dictature. Que personne ne vienne violer notre constitution. La campagne est lancée. Je vous remercie. Merci. La réception par l'hôtel des villes de Kinshasa à l'entremise du gouverneur Gentini Ngobila des engins, plusieurs poubelles et équipements d'assainissement pour la ville de Kinshasa est saluée par Maître Bazin Pembe, élu de BKC, pense que cela vient soulager le quinois et la continuité des affaires de l'État. Le nouveau gouverneur et sa suite vont améliorer les conditions de salubrité dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Et l'arrivée de ces engins peut que soulager certains quinois, parce que dans la continuité des affaires de l'État, le nouveau gouverneur et sa suite vont améliorer les conditions de salubrité dans la ville de Kinshasa. J'espère qu'ils vont bien gérer en père de famille et que la société qui a signé ce contrat avec la ville de Kinshasa va respecter à la lettre ces contrats. Et aussi aux honorables députés de la ville-province de Kinshasa de veiller sur ces contrats pour que les Quinois en profitent de ces engins, parce que c'est l'argent issu des impôts, des taxes, le paisible des citoyens congolais et en particulier les Quinois. Ngobila, il faut le conjuguer déjà au passé. Actuellement, dans la ville et province de Kinshasa, nous avions un nouveau gouverneur à qui les Quinois sont en train de demander de travailler pour l'intérêt général de la ville. Donc Ngobila est en train d'assumer les affaires courantes. Dans les heures ou les jours qui viennent, le chef de l'État va prendre son ordonnance confirmant le nouveau gouverneur et il y aura remise et reprise et ce gouverneur va mettre en action son programme que nous avions tous apprécié à la lettre.
accordons la chance au nouveau gouverneur et son équipe, aussi avec la pression de l'Assemblée provinciale et des Quinois. J'espère bien que le nouveau gouverneur avec son équipe feront un travail qui sera apprécié par les Quinois. De vagues de vents chauds venus de pays voisins sont à la base de perturbations météorologiques constatées dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. C'est les dérèglements climatiques qui est à la base de cette situation qui a provoqué de fortes chaleurs ces dernières semaines dans la ville de Kinshasa, à l'ouest du pays, selon l'Agence nationale de télédétection et analyse par satellite. Suivez. Selon les calendriers météorologiques, la saison sèche débute souvent à partir du 15 mai pour se terminer le 15 septembre dans plusieurs provinces de la RDC. Ce calendrier connaît des perturbations dues au changement climatique. La Metasat estime que la saison sèche pourrait débuter vers la fin du mois de mai dans les provinces de l'ouest du pays à cause du dérèglement climatique. C'est Augustin Taguisabo, responsable du service national de télédétection et analyse du temps de l'Agence nationale de météorologie, télédétection par satellite de la République démocratique du Congo. La vague qui vient, c'est comme une catastrophe qui vient. Donc avec le phénomène de dérèglement climatique, et ce sont des situations qui circulent. Donc quand il y a un dérèglement climatique, quelque part, ça influence aussi le climat de notre côté, parce que l'air est circulaire, donc nous avons un mouvement général de l'atmosphère. Donc l'air peut sortir de l'est vers l'ouest, et de l'ouest vers l'est, et du sud au nord. Dans cette circulation de l'atmosphère, il y a contamination des vents, il y a contamination des températures, il y a contamination, tout comme l'air chaud peut sortir du nord, s'il est dans le désert, et affecter même la partie de la RDC. Une nouvelle sportive avant de nous séparer, le TP Mazembe est disqualifié de la 58e édition de la Coupe du Congo suite à sa demande de report du match contre FC Nouvelle Vie prévu ce jeudi 16 mai 2024 à Kinshasa à 15h au stade Tata Raphaël. Pour la Fédération congolaise de football FECOFA, Mazembe n'a pas respecté le délai de 72 heures prévu dans l'article 202 du règlement général et sportif de 2003 pour solliciter les réponses, ce qui lui vaut cette disqualification. L'équipe est également sommée de payer une amende de $500. En réaction, le chargé de communication de Corbeau, Héritier Yendula, affirme que l'équipe n'a reçu aucune notification officielle et est surprise de découvrir le communiqué de la FECOFA comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, c'est par ces communiqués que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve encore demain à la même heure. Au revoir et à demain.